Salut les amis du Ciné Club, salut Andrés. Hello, je le fais tourner ou pas? Ouais, tu peux le faire tourner, c'est son jour. Le 16 octobre, je tenais absolument à ce que cette vidéo soit sur la chaîne le 16 octobre. J'ai mis la pression à Andrés. Pourquoi? Parce que c'est le jour où Walt Disney fête officiellement ses 100 ans. Alors vous savez, sur la chaîne, on l'avait déjà fait, on peut laisser une petite suggestion. Ouais. C'est cela Andrés, sur la vidéo qu'on avait consacrée au monde de Walt Disney à travers ses différents films, surtout l'animation, c'était vraiment quasiment concentré que sur là-dessus. Et puis il y avait quelques films dans le lot. Ouais, on avait évoqué quand même quelques films d'antan, mais bon, on voulait rester, on n'a pas voulu insérer le nouveau Walt Disney. Ouais. Hein? Et donc, on conclut quelque part ces 100 ans avec le jour J, hein, le jour de l'anniversaire. Un petit top 10, ça faisait très longtemps qu'on ne le faisait plus, hein. quelle plus belle façon de le faire qu'à travers toute l'équipe, que chacun donne son petit top 10. Alors on n'a pas pris toute l'équipe du Ciné Club, ceux qui travaillent avec nous dans les projections, on s'est juste concentré sur les quatre mousquetaires, hein, Pedro, Eddie, Andrés et moi. Donc on vous propose tout de suite la vidéo avec le petit top 10, ouais, hein, de chacun d'entre nous. Et on se retrouve juste derrière pour en faire un tout petit débrief et en causer tout simplement. À tout de suite. Bonjour les amis du Ciné Club. Donc voici mon top 10 des dessins animés de Disney. Donc en 10e position, donc c'est bien ma liste personnelle. Donc en 10e position, ce sera Coco. En 9e position, ce sera le Toy Story. En 8e, j'ai Mulan. En 7e position, il y a La Belle et la Bête. En 6e position, il y a Bambi. En 5e position, il y a Les 101 Dalmatiens. En 4e, c'est Belle et le Clochard. En 3e, c'est le Tarzan. En 2e, c'est le Roi Lion. Et suspense pour le numéro 1, le Disney qui est aimé, que j'ai aimé le plus, c'est Le Livre de la Jungle. Pourquoi? Parce que c'est un Disney qui a filé au fil des années. Je l'ai vu quand j'étais petit, je l'ai vu en grandissant, je l'ai vu au moins une dizaine de fois. Donc avec les enfants, en famille, on a rigolé tellement, surtout sur la chanson de Baloo. Donc c'est pour ça que ce dessin animé est resté gravé dans ma mémoire, puisqu'au fil des années, on l'a vu avec toute la famille. Je l'ai aussi vu à l'école, donc forcément. Et je crois qu'il est sorti vers les années 69, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà la raison pourquoi Le Livre de la Jungle est mis en première position. Hello les amis, voici mon top 10 à moi. Une autre génération, autre que celle de Eddie. Donc pour moi, numéro 10, évidemment, le dernier, Buzz l'éclair. En numéro 9, Coco. En numéro 8, l'Atlantide. 7, Nemo. 6, Aladdin. 5, Lao. 4, Pinocchio. 3, le Roi Lion. Numéro 2, la planète au trésor. Et numéro 1, évidemment, vous le savez tous, je crois, Toy Story. Donc, je suis de la génération, comme on dit, Pixar. Donc, je ne pouvais pas mettre autre dessin animé que celui-là parce que j'ai grandi avec. Donc, j'ai vécu exactement la même chose que Andy dans le dessin animé. Donc, quand j'ai vu la fin, on va être clair, du 3, qui m'a totalement dévasté. Et c'est exactement ça, pour ça qu'il est numéro 1 dans mon cœur à moi. Allez, la suite. Bonjour les amis. Eh bien voilà, je vais vous présenter mon choix des films d'animation des studios Disney.
Le 10, La Belle et la Bête. En 9e position, Aladdin. En 8e, Peter Pan. En 7e, Bambi. En 6e, on poursuit par Rox et Rookie. En 5e position, Les 101 Dalmatiens. En 4e, Le Roi Lion. Le numéro 3, c'est La Belle et le Clochard. Le 2, Les Aristochats. Et j'arrive en mon numéro 1, c'est Le Livre de la Jungle. C'est un dessin qui m'a particulièrement marqué, que j'ai vu plusieurs fois. Je trouve que c'est un dessin animé, un film qu'on peut très très bien transposer dans la vie courante, dans la vie donc que nous vivons tous les jours. C'est une leçon de vie. Voilà le pourquoi de mon choix et le pourquoi de la position en numéro 1. Salut les amis, voici mon top 10 Disney spécial animation. On commence le 10e Coco. En numéro 9, je place Le Livre de la Jungle. Le numéro 8, Bernard et Bianca. Numéro 7, Merlin l'Enchanteur. Ratatouille pour la 6e place. La 5e, Aladdin. 4e place pour Toy Story 3. Le podium en numéro 3, Le Roi Lion. En numéro 2, La Belle et la Bête. Et en numéro 1, Up, là-haut. Alors, pourquoi là-haut en première place? Parce que, à l'image de ce film d'animation, le temps passe, les choses changent. Il est très émouvant, il est très touchant. C'est un film que j'ai découvert assez tard dans ma vie, mais qui me parle. Donc, voilà mon top 10, les amis. Ciao. Bon, ben voilà, on est de retour, ça a été vite. Oui. Donc voilà, Andrés, ton top 10 à toi, tu avais ton film préféré. Moi, c'est Toy Story. Toy Story, donc c'est vrai qu'au moment où on fait maintenant cette vidéo, on a déjà fait le top 10 il y a une semaine. Une semaine, ouais. De mémoire, mais Andrés a toutes les notes ici de chacun d'entre nous. De mémoire, ben, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Moi, je pense. Il y a deux générations différentes. Exactement. Ouais. Exactement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Pixar chez toi. Chez moi et chez toi aussi. N'empêche. Chez moi. Hein. Ouais. Et chez Pedro et Eddie, ben, que du rétro. C'est vrai, c'est assez. Pour vous dire, ils ont tous les deux le même top 1 chez eux, c'est Le Livre de la Jungle. Rendez-vous compte, ouais. C'est souvent des titres. Mais ce que j'aime en regardant là tantôt les différents titres qui sont évoqués, c'est que grâce à notre ancienne génération qui est dans notre équipe, ben quelque part on les touche tous, quoi. Mm. Quand moi je me suis fait, je sais pas si t'as eu le même sentiment, mais j'ai trouvé ça vachement dur d'en sortir 10, quoi. Vachement. Ah oui, non, tu pas. Et en plus de ça, après les classer. Exactement. Oh. Non, mais moi c'est direct. Moi, je chipote pas, quoi. À moins qu'ils me ressortent un autre Toy Story, encore mieux. Toi, c'était Toy Story. Hein. Toy Story. Ouais. Que ça soit le 1, on va être clair, du 1 ou 3, mais Toy Story. Et la question que j'allais te poser, encore maintenant? Oui, encore maintenant. Encore maintenant. Parce que moi, ça a changé. Surtout ça. Le 3 m'a tué, moi. Le 3, il m'a explosé en mille morceaux. Ça fait, pour tout te dire, j'ai grandi avec, je suis de la génération, j'ai grandi avec eux, quoi. Mm-hmm. Donc, quand on a vu le 1, waouh, l'explosion, tu te disais, j'ai fait comme tous les gamins de l'époque, quoi. Je regardais mes jouets, s'ils bougeaient ou pas. Tu vois? C'est con, mais il y a beaucoup de ceux de ma génération qui ont fait ça, quoi. Mm-hmm. J'étais pas le seul, taré de s'être fait bouffer le cerveau par Pixar. Et après le 2, magnifique, quand tu vois. Et le 3, 10 ans, non, plus de 10 ans, je pense qu'on a dû attendre. Oui, ils se sont aussi fait, tous surclassés. Hein. Ah ouais, ouais, non. Toy Story, c'était le premier, était magnifique. Le deuxième, était encore meilleur. Oh, ouais, ouais, et le troisième, là. Le troisième, on touche un cinéma. Que ouais, ça, c'est presque
De mémoire, un film tout court, hein. Ouais. Je ne sais pas quel film a touché d'aussi près la fin de l'enfance. La fin de l'enfance, oui, c'était. Que Toy Story. Oh, moi, ça m'a brisé le cœur. Moi, j'étais là, les larmes coulaient à flot, comme on dit. Et pourtant, j'étais déjà un jeune adulte, quoi. J'avais 18, 17, 18 ans, hein. Non, mais c'est vrai. Non, moi, j'ai eu très dur dans le sens que, regardez, je veux dire, il y a tous des titres qui ont marqué mon époque, parce que moi, normalement, le numéro un, ça devrait être Merlin l'Enchanteur ou Bernard et Bianca. Ouais. Donc, je ne sais plus lequel, je l'ai déjà souvent dit sur la chaîne, mais je ne sais plus lequel a été le premier pour moi. Je pense quand même que c'était Bernard et Bianca, vu que c'était une nouveauté. Mais bon, à l'époque, les anciens sortaient au cinéma pendant les périodes de fête. Hein. Donc, mais c'est vrai qu'avec le temps, on change. Et puis bon, ben, moi, mon top 10, malheureusement, moi, c'est un peu mes cicatrices aussi, hein. Mon film préféré, là-haut, ben forcément, il l'est devenu, même si la première fois que je l'ai vu, il m'avait déjà vachement bien plu. Mais là, évidemment, chacun a sa vie, chacun a ses cicatrices, et donc voilà. Mais c'est génial, parce que si on prend tous nos top 10 de chacun, les quatre, ben, il manque pas grand chose, quoi, finalement. Il y avait tellement de titres, mais on a les Aristochats, on a le Livre de la Jungle, on a Merlin l'Enchanteur, on a Pinocchio. Donc, les 101 Dalmatiens, c'est quand même incroyable, formidable, hein. Les 101 Dalmatiens sont dedans, la Belle et le Clochard aussi. Oui, la Belle et le Clochard est là. Moi, il y a que du nouveau. Oui et non, quoi. Il y a Pinocchio, quoi. Donc, Pinocchio, ouais. Ça, c'est ton dessin animé de cœur, je suppose. C'est de cœur. T'as Nemo chez moi, Aladdin. La planète au trésor, Atlantide. La planète au trésor qui n'est pas un Pixar. Hein. C'est un Walt Disney. C'est un Walt Disney, c'est pour ça que je te dis. Il n'y a pas que du Pixar. Non, il n'y a pas. Il y a Nemo, Coco, Buzz l'éclair, évidemment, il devait être dedans aussi. Mais... Dernier Buzz l'éclair. Ah oui, Buzz l'éclair, il m'a beaucoup plu aussi. Il m'a bien. Non, c'est bien. Il était bien ficelé. Enfin, en tout cas, voilà, moi, c'est. Pour te dire, on avait acheté le coffret collector de chez la FNAC, quand il est sorti directement, je l'ai pris, quoi. Ouais, très très beau. En tout cas, franchement, une très belle expérience, parce que, honnêtement, il aurait été impossible d'en faire un classique. Chacun, enfin, qu'on fasse. Vraiment, alors on va faire, on se serait tous pris. On aurait fait en catégorie, quoi. Sincèrement. Ouais. Alors, catégorie Pixar. Ouais. Catégorie âge d'or, les premiers Disney, tu vois, on aurait fait 4 ou 5 top 10, quoi. C'est quand même... impossible de laisser... T'imagines, on aurait laissé de côté le Roi Lion, impossible, mec. Non, le Roi Lion revient beaucoup, la Belle et la Bête aussi. La Belle et la Bête. Tarzan est dedans aussi. Je sais pas si j'ai mis Tarzan, mais bon. Donc Tarzan est aussi dedans. Non, franchement... je pense qu'à travers nos top 10, on a rendu hommage à 100 ans de magie. Il est temps de parler tout petit peu, hein, vraiment une petite parenthèse sur ce que Walt Disney est devenu, ou plutôt est occupé à devenir. Je suis un peu triste et surtout déçu de ce que c'est occupé à devenir. Mais il faut, comme pour tout dans la vie, hein, il faut donner, juger ou noter une prestation, un film, et tout, globalement. Et si on prend les 100 ans de Walt Disney, la balance pense faire le bon. Il y a quand même pas mal, mais alors là, pas mal de magie. Ouais. Pendant, je veux dire, moi, toute mon enfance, ça a été un cinéma qui était adoré par tout le monde. Je n'ai jamais entendu... Jamais entendu dire une personne, c'est quoi, comme on dit, hein, on va rentrer un peu, à part quelques communistes, qui disaient, ouais, l'Empire américain... Mais attention, hein, c'est vrai qu'en 1992, en 92... Quand Disneyland a ouvert ses portes, il y a eu des manifs pour ça. Allez. Ah ouais, l'Empire américain qui vient s'installer en Europe. Exactement, il y a eu des manifs pour empêcher une minorité. Mais bon, aujourd'hui, quand on voit ce qu'il a réussi à faire dans le parc, et bon, maintenant, il fait carrément ce qu'il veut. Mais bon, voilà, je trouve que ces 100 ans ont été vraiment magiques en immense majorité. Ils nous ont vraiment fait rêver. Nous qui faisons des projections, André, on en a mis plus d'un. Ah ouais.
Hein, et, pas que, mais en tout cas, oui, une grosse majorité. Chaque année, il y en a un ou deux qui tombent, ouais, et ouais. Bon, ben, on a beau être anti-Disney, comme beaucoup de personnes maintenant, je suis désolé, quand on décide de passer à l'affiche, si mes souvenirs sont bons, on va rendre aussi un peu hommage à notre cinéma. Peter Elliot et les Dragons. On a passé Merlin l'Enchanteur, on a passé Peter et Elliot le Dragon, on a passé Coco. Vaiana. On a passé Vaiana. On a Dumbo, la version live, carrément. Dumbo, Winnie l'ourson, c'était aussi. Winnie l'ourson aussi, la version live. Ouais, franchement, il y a beaucoup de titres. Et cette année, on en oublie certains. Sûrement. Mais cette année, on va passer Tarzan, qui est extraordinaire et peut-être, je l'espère, en tout cas, méconnu par les plus petits aujourd'hui. Les plus petits, non, c'est clair, Tarzan n'a pas. Malheureusement, en tout cas, maintenant, à l'heure actuelle, je crois pas. Je crois pas que tout le monde, Tarzan, non. Ouais. Donc voilà, pas grand chose d'autre à rajouter dans cette vidéo, Andrés. Donnez-nous votre top 10, pardon, plutôt que. Ouais, c'est vrai. Bien dans les vu, commentaires. Bien vu, ou du moins votre top 3. Ça, ouais, voilà, comme ça fait pas trop long. Mais parce que je peux vous assurer bien. Que. C'est dur. Ouais, c'est franchement très dur. Joyeux anniversaire à la souris la plus célèbre du monde. Merci pour cet enchantement et cette féerie depuis carrément notre naissance. Ouais, et j'espère franchement que les grands Manitou aujourd'hui de Walt Disney tiendront compte au moins les années qui ont fait le succès et qui reviendront tôt ou tard, je l'espère, à ce qu'était la grandeur de ce cinéma. La qualité avant la quantité. C'est eux-mêmes qui nous l'ont appris. C'était un dessin animé pendant la période des fêtes. Et là, maintenant, voilà. Croisons les doigts pour que la magie revienne. Et je suis persuadé qu'ils ont tout aujourd'hui. Ah oui, c'est clair. Ils ont tout ce qu'il faut. En tout cas, ils ne sont pas en manque de moyens financiers, comme ça a été à une certaine époque le cas. Et ils sont quand même revenus avec des grands titres. On peut laisser des suggestions sur les vidéos de Walt Disney qu'on a fait, La Belle et la Bête. On avait consacré toute une vidéo à l'époque qui était géniale. Donc, encore une fois, merci. Et je ne vais pas dire que cela dure. J'ai envie de conclure pour dire que cela change. Gros bisous à tous et à toutes. Likez si vous avez aimé cette vidéo. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner pour profiter de ce genre de vidéos. Salut, à très bientôt.